Ceci vous est présenté par la Tour de Prière Semeur, tous les mardis et jeudis de 22h à 23h. Rejoignez-nous au 09 72 61 93 80, code d'accès 1077. Que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Je me connecte pour voir qui j'ai en ligne. Shalom, shalom. Merci de me se connecter au téléphone. Shalom. Shalom, 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 shalom. Nous sommes en train de rentrer. Voilà. Shalom, Karen. Shalom, Chloé, shalom, shalom, shalom. Shalom, Linda. Waouh, 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 waouh. Partagez, partagez, partagez la vidéo. Alléluia. Attends. Partageons la vidéo. Partagez au moins dans 10 groupes, dans 15 groupes. Partagez, partagez, partagez. Partager dans plusieurs groupes. Excusez-moi, je regardais mon clavier qui faisait du bruit. Partager dans plusieurs groupes. Partager, partager. Si tu partages, tu m'écris partager. Comme ça, je veux voir que tu as partagé. Amen. Partager, partager, partager. Partager, 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 partager. Est-ce que le son est bon? Merci de me dire. Si le son est bon, merci de me dire si le son est bon. Merci, merci, merci. Shalom Bibi Lumière, shalom Aline, shalom Mélie, shalom Momo, shalom, shalom, shalom. Partagez. Oh Aline, c'est ton anniversaire aujourd'hui? Joyeux anniversaire, voilà. Partagez, 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 partagez. Partagez, partagez. Merci de partager, merci de partager. Bien-aimés, partageons. Partageons, partageons, partageons. Ok. Partageons. Merci de partager. Ok, Marie-Hélène, merci d'avoir partagé. Linda, merci. Morénique, shalom, 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 shalom. Partagez, partagez. Pour que nous puissions tous commencer ensemble. Pour que nous puissions tous commencer ensemble, partageons, partageons. J'ai pas eu le temps de parler, j'aurai pas le temps de partager sur YouTube. Donc je vous demande de partager. Voilà. Au nom de Jésus. Mon clavier veut déconner aujourd'hui. Au nom de Jésus. Voilà. Partagez, excusez-moi. Partagez, 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 partagez. Esther, shalom. Shalom, 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 shalom. Merci de partager. Nous sommes en train de monter. Nous allons commencer très bientôt. Excusez-moi, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai mangé là tout à l'heure, mais ça me remonte à la gorge. Voilà. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur et on partage. Est-ce qu'on est déjà au téléphone ou pas? Il est quand même 20. On n'est toujours pas au téléphone. Au téléphone. Shalom, 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 shalom. Au téléphone, au téléphone. Shalom, 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 shalom. Nous allons commencer notre prière. Merci Suzy d'avoir partagé. Merci, merci, merci d'avoir partagé. Enlevez Facebook, mettez le téléphone. Merci d'avoir partagé, merci d'avoir partagé. Partageons encore. Toi qui as déjà partagé, écris exposer l'esprit de Pharaon. Nous arrivons vers la fin de la série.
Toi qui as déjà partagé, écrit, exposé l'esprit de Pharaon. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Excusez-moi, il y en a d'autres qui sont au téléphone. Alors on doit les rejoindre aussi. Parce que je ne suis pas encore rentrée. Sinon ils vont croire qu'il n'y a pas de prière. Nous sommes en train de monter encore quelques 10 personnes. Nous allons commencer notre prière du soir. Amen. Alléluia. Esther, reine, sois bénie. Merci d'avoir partagé. Voilà, merci, merci, merci. Partageons. Partageons. 0972. Partageons, partageons, partageons. Alléluia, merci Jésus. Voilà, je vais vous voir ici, là. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Marie Chantal, sois bénie, merci d'avoir partagé. Partagez au moins dans 10 groupes, partagez au moins dans 10 groupes. Faites un maximum de partage, un maximum, un maximum, un maximum, un maximum. Merci Jésus, merci Jésus. Et c'est vrai que là, nous commençons un peu tard. Mais le Seigneur est au contrôle. Amen. Le Seigneur est au contrôle. Voilà. Et le clavier qui commence à déconner, ce qui n'est pas normal. Mais le Seigneur est au contrôle. Alléluia. Merci Jésus. L'esprit de Pharaon. Exposez l'esprit de Pharaon. Partagez, partagez, partagez. Nous commençons dans 5 minutes. Même pas 2 minutes, nous commençons déjà. Acclame le Seigneur ce soir. Acclame le Seigneur ce soir.
Acclame le Seigneur ce soir, car assurément c'est par grâce et par son amour que tu es encore là ce soir. Cela ne vient pas de nous, cela ne vient pas de toi, mais cela vient de Dieu, de son amour. Alléluia. Bien-aimé, commence à lui dire merci. Dis merci pour le souffle de vie qu'il t'a donné encore ce jour. Dis merci, merci. Dis merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le souffle de vie. Alléluia. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, ses bontés se sont renouvelées pour toi. Assurément, si tu es là, c'est parce que il a quelque chose à te donner ce soir. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses savoir que les grandes batailles se gagnent la nuit. Ceux qui se tiennent à genoux la nuit sont ceux qui se tiennent debout en journée. Alléluia. Alors bien-aimé, rentre dans un esprit de dévotion, un esprit de concentration pour rencontrer encore ton Dieu ce soir. Alléluia. Dis merci, merci. Ô Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci car nous reconnaissons, Seigneur, que c'est toi qui encore renouvelé ton souffle de vie dans nos vies. Cela ne vient pas de nous, Yahweh. Cela ne vient pas de nous, Yahweh. Oui, cela vient de toi, Seigneur. Cela ne vient pas de nous, Yahweh. Cela ne vient pas de nous, Yahweh. Oui, cela vient de toi. Dis-lui merci. Je reconnais, Seigneur, que c'est toi qui m'as protégé et gardé en cette journée. Merci d'avoir gardé ma famille. Merci d'avoir gardé ma maison. Merci d'avoir gardé mes enfants. Merci d'avoir gardé mon époux. Oh, reçois la gloire, Seigneur, ce soir. J'aimerais te reconnaître comme celui qui est mon Dieu. J'aimerais te reconnaître ce soir comme celui qui est mon protecteur. J'aimerais te reconnaître ce soir comme celui qui est mon tout. Reçois la gloire qui t'est due ce soir, Seigneur. Reçois la gloire qui t'est due ce soir. Alléluia. Reçois la gloire qui t'est due ce soir. Remasaya daraba chenderebosa. Oh, reçois la gloire. Thank you.
Amen, amen. Amen, amen. Au téléphone, merci d'être discipliné et de me suivre. Merci. Alléluia. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prendre conscience de l'importance de la prière de nuit. Quand tu pries la nuit, quand tu pries alors qu'il fait déjà sombre. Shalom, shalom, au téléphone. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Il y a quelqu'un qui a mis son téléphone vraiment, essayer de baisser. Fermez le volume du téléphone. Fermez le volume de Facebook. Merci beaucoup. Voilà. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions comprendre l'importance de la prière de nuit. Alléluia. Parce que, bien-aimés, tu dois savoir que dans la nuit, il se passe beaucoup de choses. Écris avec moi, la nuit est un moment de transaction spirituelle. Nuit égale transaction spirituelle. Nuit égale transaction spirituelle. Oui, dans la nuit, il se passe des transactions spirituelles. C'est pour cela, quand il y a la prière de nuit, tu dois sauter la première, tu dois venir avec zèle. Parce que dans la prière de nuit, quelque chose se passe. La nuit, dans la nuit, il se passe des transactions spirituelles. Alléluia. Alléluia. C'est dans la nuit aussi que le monde de ténèbres vient pour détruire les destinées. Mais c'est aussi dans la nuit que Dieu envoie ses anges pour visiter ses enfants. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dans la nuit, le monde de ténèbres, c'est dans la nuit qu'ils cherchent, qu'ils viennent pour détruire les destinées. Mais dans la nuit aussi, c'est là où Dieu envoie ses anges pour visiter ses enfants. Alors la prière de nuit, tu ne dois pas la négliger. Tu dois la faire avec joie. Pourquoi? Parce que la nuit est un moment de transaction spirituelle. Et nous allons le voir dans 1 Roi chapitre 3 du verset 16 à 28. 1 Roi 3, 16 à 28. Alléluia. Merci Jésus. 1 Roi 3, 16 à 28. Merci de m'écrire déjà pour ceux qui... Il y a Chloé qui est là, je pense, en modération. Voilà, si tu peux écrire, ça sera une bonne chose. Oh là là. Voilà. Le clavier a décidé de me faire des caprices, ce qu'il ne fait jamais, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il fait cela. Gloire à Dieu. 1 Roi 3, 16 à 28. Merci Jésus. Voilà. Les modératrices, vous pourrez écrire. Voilà. C'est pour cela, bien entendu, vous voyez comment je me bats avec... avec mon petit endroit ici. Donc il est important d'avoir la maison de prière. Il est important d'avoir la maison de prière pour nous permettre d'être à l'aise et de faire les prières tranquillement. 1 Roi 3. Je vais lire. J'allais dire que quelqu'un puisse lire. Vous vous rendez compte? C'est l'habitude. Entre-temps, tu peux partager aussi. Entre-temps, partage s'il te plaît. 1 Roi 3. Entre-temps, si tu n'as pas partagé, partage. 1 Roi 3, 16 à 28. Ça aussi, ça fait partie de l'esprit de Pharaon. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Nous lisons dans le nom de Jésus. Oh, vraiment. Voilà. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, cette femme et moi, nous habitons dans la même maison. » Notez, nous habitons dans la même maison. Amen. Cette femme et moi, nous habitons dans la même maison. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Nous habitons dans la même maison. Et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 18. Or, le troisième jour après mon accouchement, cette femme a aussi accouché. Donc, il y a eu deux accouchements. Deux accouchements. Amen. Nous étions, écrivez aussi deux accouchements. Deux accouchements. Voilà. Qui a dit que ça ne marche plus? Ah, si, ça marche très bien, Aline. Voilà, je reprends 18. Or, le troisième jour après mon accouchement, cette femme aussi...
a aussi accouché. Nous étions ensemble. Personne d'autre n'était avec nous. Amen. Je pense que j'ai perdu les gens du téléphone. Shalom, shalom. Shalom. Ok, d'accord. Je pensais que je vous avais perdu. D'accord. Or, le troisième jour, après mon accouchement, cette femme a aussi accouché. Nous étions ensemble. Personne d'autre n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Alléluia. Il n'y avait que nous deux dans la maison. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Écrivez au milieu de la nuit. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Écoutez bien ça. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Bien-aimé, pendant la nuit, il y a eu une transaction. Cette femme a pris son bébé mort, elle a donné à la femme qui avait son bébé qui était en vie. Elle a fait un échange. Bien-aimé, tu dois aimer les prières de nuit. Parce que si tu ne pries pas, dans la nuit, il risque d'y avoir des échanges sur ta vie. La nuit, le monde des ténèbres fait des échanges. Tu as ton étoile, mais on vient changer. On vient prendre l'étoile de l'autre qui est médiocre, on met chez toi. On prend ton étoile qui brille, on met chez l'autre. On vient faire un échange. Alors, il est important de prier la nuit. Il est important de prier la nuit. Je répète encore. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Quand toi, tu dors et que tu ne pries pas, il y a des choses qui peuvent arriver. Il est important de prier. Quand tu pries, Dieu envoie ses anges te visiter. Parce que Dieu envoie les anges dans la nuit aussi pour nous visiter. C'est pour cela que David dit dans un des psaumes, quand tu visites, si tu visites mon cœur dans la nuit, si tu visites mon cœur pendant la nuit, ou si tu me visites pendant la nuit, Dieu nous visite pendant la nuit. L'ennemi aussi cherche à nous visiter pendant la nuit. C'est important, bien-aimé, d'aimer la prière de nuit, d'aimer la prière de nuit. Cette femme venait d'avoir son bébé. Elle venait, le bébé n'avait que 3 jours. Mais en 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre ami a voulu faire un échange. Elle a fait, elle n'a même pas voulu. Elle a fait l'échange. Et c'est pour cela qu'ils sont partis chez Salomon. Vous pourrez lire la suite après. Ils ont fait l'échange. Bien-aimé, si tu dors, si tu ne te réveilles pas dans la prière, il peut y avoir des échanges dans ta vie. Des échanges de destinée, des échanges de direction, des échanges. Elle, son fils était mort. Elle prend son fils mort, elle donne à l'autre. Elle prend le fils vivant de l'autre, elle le prend. Bien-aimé, ça arrive. Ça arrive aussi aujourd'hui. Il y a eu des échanges. Il y a des personnes qui ont subi des échanges. Qui ne vivent pas la vie que Dieu avait prévue pour eux. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un échange sur eux. Et c'est pour cela que vous voyez des fois, il y a des personnes d'un certain monde qui essaient d'utiliser des étoiles des autres. Ils essaient d'utiliser ton étoile. Tu ne comprends pas? C'est toi seulement qu'on va atteindre. C'est toi seulement qu'on veut faire du mal. C'est à toi seulement. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de ton étoile. Lui-même, il n'a rien du tout. Quoi qu'il a l'argent, quoi qu'il a, il brille, quoi que les gens voient que c'est un homme prospère. Mais en fait, il travaille sur les étoiles des autres. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Il y a des gens qui travaillent sur les étoiles des autres. Il y a des gens qui réussissent sur les étoiles des autres. Sa propre étoile est morte. Mais il prend l'étoile des autres, il prend l'étoile d'une autre personne pour l'utiliser. Pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir briller, pour pouvoir réussir. Et cette personne-là se retrouve dans des difficultés. Pourquoi? Ça a été pris. Bien-aimé, mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que nous avons Jésus-Christ. Et nous l'avons lu dimanche à l'église. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, on a dit en Christ, en Christ, en Christ. C'est-à-dire si quelqu'un demeure en Christ, si quelqu'un est assis en Christ, si quelqu'un est caché en Christ, cette personne, l'ennemi, ne peut pas venir voler son étoile. C'est pour cela, bien-aimé, nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous prions la nuit, nous sommes dans la joie parce que nous nous attendons à une visitation angélique. Écris avec moi, visitation angélique. Visitation angélique. Visitation angélique. Oui, tel que tu vas prier ce soir, il y aura une visitation angélique dans ta vie. Une visitation. Alors que tu seras en train de dormir, il y aura une visitation angélique. Alléluia.
quelque chose va arriver. Un ange viendra te visiter. Quelque chose va se passer. Une visitation divine. Et non pas une visitation maléfique, mais une visitation divine. C'est pour cela, désire. Désire les prières de nuit. Désire les prières du matin très tôt. Désire aussi les prières de nuit. C'est très important. Parce que dans la nuit, tu peux avoir une visitation. Une visitation. Dans la nuit, on reçoit des visitations. Alléluia. Alors, bien-aimé, sois tranquille, toi qui as Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas utiliser ton étoile. Toi qui as Christ, on ne peut pas prendre ta destinée. Mais toi qui as Christ et que tu t'accroches à Christ, Jésus-Christ va réécrire au contraire ton histoire. Jésus-Christ va embellir ton histoire. Écris avec moi, Jésus embellit mon histoire. Jésus-Christ embellit mon histoire. Jésus-Christ réécrit mon histoire. Jésus-Christ arrange mon histoire. Il vient pour embellir. Alléluia. Oh, merci. Amen, amen. Au verset 21, il est écrit. Amen, amen, ma soeur. Au verset 21, il est écrit. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils. Wow. Et voici qu'il était mort. Oh, le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Oh, bien-aimé, tu as travaillé, tu as eu tes diplômes. Au moment de travailler, il n'y a plus de travail. Le travail ne vient pas. Il y a une mort qui est là. Bien-aimé, il y a un esprit. Tu as grandi très jolie, une belle fille. Au moment où tu te dis, quand on voulait t'épouser, tu n'étais pas prête. Maintenant que tu es prête, tu dis, maintenant, je vais me marier. Seigneur, envoie-moi l'homme de ma vie. Il ne vient plus. Plus personne ne te voit. Ça devient mort. Bien-aimé, c'est l'ennemi. Nous allons le briser ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Et dis, je l'ai regardé attentivement le matin. Oh, bien-aimé, commence à regarder ta vie. Est-ce que ta vie correspond à ce que tu as toujours voulu? Je l'ai regardé attentivement le matin. Il y a des gens qui vivent le jour sans pour autant regarder si leur vie est bien ou pas. Il y a des gens qui vivent le jour sans pour autant faire le bilan de leur vie. Il y a des personnes qui vivent. Il y a des personnes qui vivent métro, boulot. Ma soeur, amène à ma soeur, s'il te plaît. Mute le micro, ton micro, comme ça tu peux parler, on ne va pas t'entendre. Voilà, fais juste muter. Ferme le micro. Je disais donc, oh là, j'ai perdu le fil. Je disais, qu'est-ce que je disais? Oh là là. Le matin. Le matin. Oui. Tu fais une analyse. Voilà, il y a des personnes qui ne font pas l'analyse. Tu dois faire l'analyse parce qu'ici, il est écrit « Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. » Faut regarder. Fais le bilan de ta vie. Regarde attentivement. Est-ce que ça correspond? Regarde attentivement. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici que ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Yes! Ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. En fait, quand tu vas commencer à regarder attentivement, à observer, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. S'il y a une chose qui ne va pas, tu vas commencer à voir et à comprendre que là, ce n'est pas mon fils. Ça, ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas normal. Si ça, cette histoire commence à durer comme ça, ce n'est plus normal. Il y a quelque chose. Alors, il faut prier la nuit. Alléluia. Il faut prier la nuit. Il faut prier la nuit. Il faut prier la nuit. Et l'autre femme, écoutez ce que l'autre femme dit. L'autre femme dit, au verset 22, « Au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. » Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Bien-aimé, tu dois te battre pour ta destinée. Écris, je dois me battre pour ma destinée. Alléluia. Malgré que l'autre femme a insisté, non, c'est ton fils qui est mort, c'est le mien qui est vivant. Elle a dit, non, c'est mon fils. Je l'ai bien regardé. Alléluia. Je l'ai bien regardé. C'est mon fils, ce n'est pas le tien. Alors, bien-aimé, j'aimerais nous encourager à prier la nuit. Quand tu pries la nuit, l'esprit de Pharaon est brisé. Quand tu pries la nuit, l'esprit de Pharaon est anéanti. Quand tu pries la nuit, il n'y aura pas d'échange maléfique sur ta vie, mais il y aura une visitation, des visitations angéliques sur ta vie. La visitation angélique, la visitation des anges, la visitation angélique, alléluia, la visitation divine. Quand tu pries la nuit, soupire à cela. Quand tu te mets à prier la nuit, soupire, dis Seigneur merci parce que je m'attends à une visitation divine. Je m'attends à une visitation angélique. Je m'attends à une visitation surnaturelle. Alléluia. Il y a des personnes qui s'attendent d'avoir des démons. Non, toi tu dois t'attendre à avoir une visitation surnaturelle. Écris avec moi, visitation surnaturelle. Visitation surnaturelle. Alléluia.
Visitation surnaturelle. Alors nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier afin que le Seigneur puisse encore se déverser dans nos vies. Nous allons prier. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui prient la nuit, ceux qui se tiennent à genoux la nuit, sont debout le jour. Pourquoi? Sont debout devant les challenges. Sont debout devant les adversités. Sont debout devant les combats. L'ennemi ne peut pas les abattre parce qu'ils ont passé tout le temps à genoux dans la nuit. Bien-aimé, donne-moi des cœurs, donne-moi des j'aime, donne-moi des cœurs, donne-moi des j'aime, donne-moi des cœurs, donne-moi des j'aime, donne-moi des cœurs. Alléluia. Donne-moi des cœurs comme pour dire, Seigneur, je crois à cette parole. Je crois à cette parole, je m'attache à cette parole et je crois que tu vas embellir ma destinée. Je crois que tu vas embellir ma vie. C'est pour cela que je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi, Seigneur. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Je veux te toucher jusqu'à recevoir une visitation surnaturelle. Oui, la Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Tu recevras la visitation surnaturelle. La visitation qui va changer ta vie. La visitation qui va changer ton histoire, l'histoire de ta vie. La visitation qui va changer ton nom. La visitation qui va changer ta vie. Oui, la visitation surnaturelle. Attends-toi à recevoir cela. Quand tu t'approches du Seigneur, sois dans la joie de dire, oh Seigneur, merci, merci. Comme je vous ai toujours dit, la nuit enfante, la nuit conçoit, c'est dans la nuit que tu conçois les choses et le jour enfante. La nuit conçoit et le jour enfante. Est-ce que tu peux écrire la nuit conçoit et le jour enfante? Alors nous voulons prier. Alléluia. Waouh. Nous voulons prier. Nous allons essayer de rattraper le temps que les 10 minutes que j'ai perdu tout à l'heure. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimés, la Bible déclare. Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga. Amen, amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Alors tu vas lui dire, Seigneur, merci parce que tu es l'alpha et l'oméga de ma vie. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, merci parce que tu es l'alpha et l'oméga de ma vie. En fait, tu dois reconnaître Dieu dans toutes tes voies. La Bible dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le comme l'alpha et l'oméga de ta vie. Alléluia. Et dis-lui, Seigneur, merci parce que tu es l'alpha et l'oméga de ma vie. Merci car c'est toi qui donnes une nouvelle direction dans ma vie. C'est lui qui te donne une nouvelle direction. Quand l'ennemi veut te changer de chemin, quand l'ennemi veut te tromper, quand l'ennemi veut changer ton chemin, l'Éternel est celui qui te donne une nouvelle direction. Quand il veut te mettre des embûches, des embuscades, l'Éternel est celui qui te donne une nouvelle direction. Alors commence à lui dire merci au nom de Jésus. Prie ensemble. Alléluia au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci Seigneur, je te dis merci ce soir parce que tu es l'alpha et l'oméga de ma vie. Merci parce que tu es l'alpha et l'oméga de ma destinée. Merci Seigneur, car c'est toi qui donnes une nouvelle direction à ma vie. Je te bénis parce que c'est toi qui réécris une nouvelle histoire dans ma vie. Je te bénis parce que c'est toi qui réécris une nouvelle histoire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans la vie Seigneur de tes enfants. Alors je te bénis et je te loue. Je t'exalte Seigneur parce que tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin de ma vie. Alléluia. Le premier et le dernier dans ma vie. Oui Seigneur, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Ce soir nous voulons te reconnaître comme l'alpha et l'oméga. Nous voulons te reconnaître comme le tout de notre vie. Nous voulons te reconnaître comme celui qui est dans notre vie. Nous voulons te reconnaître comme celui qui vit à jamais dans nos vies. Reçois la gloire et la louange. Reçois la magnificence. Sois béni Seigneur. Sois béni Seigneur. Seigneur, sois loué Seigneur, sois exalté, béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit ton nom, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, alléluia. Bien-aimé, alors que nous sommes en train de monter dans la prière, tu vas demander pardon au Seigneur. Peut-être que tu as péché en cette journée. Peut-être que tu as été frustré. Peut-être que tu avais de l'amertume. Peut-être que tu n'étais pas bien. Mais la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Bien-aimé, tu vas demander pardon au Seigneur. Demandons pardon. Alléluia. Demande pardon au Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, je te demande pardon. Pardon, Seigneur, pour tous les péchés que nous avons commis. Tous les péchés, Seigneur, qui ne t'ont pas honoré. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Pardonne mon frère. Pardonne ma sœur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne. Pardonne, Seigneur. Pardonne, pardonne, pardonne. Pardonne-nous, accorde-nous ta grâce, Seigneur. Ô Dieu de gloire, à qui irions-nous, Seigneur Jésus? C'est toi qui as les paroles de la vie. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne mon frère. Pardonne ma sœur. Pardonne mon frère. Pardonne ma sœur. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir péché contre toi.
Pardonne, Seigneur, pardonne. Pardonne nos maisons, pardonne nos enfants, pardonne nos familles, pardonne nos vies, Seigneur, pardonne-nous. Bien-aimé, dis, demande-lui pardon. Il est important, la Bible déclare, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alléluia, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimé, commence à te repentir, commence à te repentir, commence à te repentir dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, confesse ce soir. J'aimerais que ceux qui sont au téléphone, réveillez-vous. Je veux vous sentir prier. Alléluia. J'aimerais que, bien-aimés, tu puisses croire ce soir que le Seigneur Jésus-Christ est celui qui t'emmène à des plus grandes dimensions. Si l'ennemi se lève pour vouloir écraser ta destinée, si Pharaon se lève pour vouloir te garder dans l'esclavage, mais Christ, Jésus-Christ veut t'emmener à des plus grandes dimensions. Alléluia. Et si tu as la foi, tu vas les atteindre dans le nom de Jésus. Alors commence à lui dire merci. Dis Seigneur merci parce que tu emmènes ma vie dans une grande dimension. Merci car tu emmènes ma vie dans une plus grande dimension, je le crois. Tu emmènes mon mariage à une plus grande dimension. C'est-à-dire si ton mariage était fade, ton mariage était un mariage qui n'avait plus de saveur. Dis Seigneur merci car tu me ramènes à une plus grande dimension. Si ta vie spirituelle était une vie qui était faible, tu vas dire Seigneur merci parce que tu m'emmènes à des plus grandes dimensions. Prie le Seigneur avec moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Merci Seigneur, car tu m'emmènes à des plus grandes dimensions. Oh, je te bénis Seigneur, car je sais que tu as des projets, Seigneur, de paix et non de malheur pour moi, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Oh Jésus, merci Seigneur, car tu as des plans merveilleux pour mon frère, pour ma soeur. Reçois la gloire et la louange. Oh, merci Jésus. Car Seigneur, je sais que tu m'emmènes à une plus grande dimension. À une plus grande dimension, Seigneur. Qui va même dépasser ma propre personne. Qui va dépasser ma compréhension. Ce que l'œil n'a point vu et que l'oreille n'a point entendu. Ce qui n'est pas monté, Seigneur, au cœur de l'homme. Alléluia. Oh Seigneur, ramène quelqu'un à une plus grande dimension. Seigneur, là où une personne était écrasée, là où une personne était humiliée, Seigneur, ramène dans une plus grande dimension. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, 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 alléluia. Oh, merci Seigneur. Emmène-nous à des plus grandes dimensions, Jésus. Alléluia, alléluia. Emmène-nous à des plus grandes dimensions. Bien-aimé, prie, prie et demande à ce que le Seigneur t'emmène à une plus grande dimension. Et cela va se faire dans le nom de Jésus. Cela va se faire dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Oh, Seigneur, fais voir ta gloire à une personne. Fais voir ta gloire à une personne. Alléluia. Alléluia. Fais voir ta gloire à une personne. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Emmène ma vie à une plus grande dimension. Alléluia. 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 À une plus grande dimension. Oh, change Seigneur ma dimension spirituelle. Je ne suis pas satisfait Seigneur de cette dimension. Remplis encore ma vie. Remplis encore ma soeur. Remplis encore mon frère. Dans une nouvelle dimension. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. À une plus grande dimension. Oh. Une grande dimension spirituelle. Une grande dimension dans tous les domaines de ma vie. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Je, amen, 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 amen. Je reconnais. Bien-aimés, vous qui êtes sur Facebook, quand nous chantons une chanson, manifestez
que vous chantez en donnant juste des cœurs ou des ou des j'aime pour montrer que vous êtes en train de chanter avec nous. Alléluia. Avec moi. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Bien aimé, soupire après sa gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Que la gloire de Dieu te visite. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux voir ta gloire dans mon foyer. Je veux voir ta gloire dans tous les domaines de ma vie, sans exception. Dis, je veux voir ta gloire, Seigneur, dans tous les domaines de ma vie, sans exception. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans la vie de tes enfants, je veux voir ta gloire dans la vie de mes enfants. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Commence à prier. Commence à prier. C'est plus qu'une chanson. C'est une prière. C'est une requête. C'est une supplication. Commence à prier. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Jésus, fais voir ta gloire, Seigneur. Oh, fais voir ta gloire à mon frère. Fais voir ta gloire à ma soeur. Fais voir ta gloire, Seigneur, dans une famille. Qui veut voir ta gloire? Fais voir ta gloire, Seigneur, dans la vie d'une personne qui est perdue, dans le nom de Jésus. Oh, dis, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Tu as fait les études, mais tu as terminé, mais le travail ne vient pas. Dis, Seigneur, je veux voir ta gloire. Oh, Seigneur, visite, visite, Seigneur, ceux qui sont malades et qui sont connectés. Ceux qui prennent des traitements, mais les traitements ne marchent pas. Je t'en supplie, visite-les. Visite-les, Seigneur. Visite une personne qui est malade, qui prend un traitement, mais le traitement ne fonctionne pas. Les médicaments qu'il est en train de prendre, c'est comme s'il ne prenait rien. Oh, fais voir ta gloire dans la santé de mon frère. Fais voir ta gloire dans la santé de ma soeur. Fais voir ta gloire dans la vie d'une personne, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, oh, fais voir ta gloire, Jésus, dans la vie d'une personne qui attend, Seigneur, de pouvoir rentrer dans le mariage. Oh, qu'il y ait une visitation divine dans le nom de Jésus. Dans la vie d'une personne qui attend de rentrer dans le mariage. Mais les ténèbres, l'ennemi a mis un voile de ténèbres pour l'empêcher de jouir, Seigneur, de ce don. Je t'en supplie, lève-toi, fais voir ta gloire. Oh, fais voir ta gloire, Seigneur, ce soir. Dans la vie d'une personne qui a son enfant qui est malade. Dans la vie d'une personne qui a son conjoint qui est malade. Dans la vie d'une personne qui a, Seigneur, un membre de sa famille qui est malade. Oh, fais voir ta gloire. Fais voir ta gloire, Seigneur.
Seigneur, dans la vie d'une personne qui a étudié, qui a des diplômes mais qui n'arrive pas à avoir un travail. Fais voir ta gloire, Jésus, dans la vie d'une personne qui est emprisonnée injustement, Seigneur. Fais voir ta gloire dans la vie d'une personne qui est accusée à tort, injustement. Oh Seigneur, fais voir ta gloire. Fais voir ta gloire dans la vie de tes enfants. Fais voir ta gloire. Je t'en supplie, Yahweh. Fais voir ta gloire. Fais voir ta gloire dans la vie de tes enfants. Baba, oh, 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 oh. Fais voir ta gloire dans la vie d'une femme qui est mariée, qui veut avoir des enfants, mais les enfants ne viennent pas. Fais voir ta gloire dans la vie, Seigneur, d'un enfant qui va à l'école, mais qui perd son intelligence. Fais voir ta gloire dans la vie d'une personne qui a fait un AVC et les membres de son corps n'arrivent pas à répondre, ne répondent plus. Fais voir ta gloire dans la vie d'une personne qui a été condamnée par le diabète. Oh, Rima Chandala. Fais voir ta gloire dans la vie d'une personne qui a été déclarée cancéreuse, Seigneur. Oh, Rima Chaye. Rimebo Sayara Machekele Bessé. Rimebo Chayandala. Fais voir ta gloire dans la vie d'une personne qui est possédée, oppressée par les démons. Oh, qu'il y ait une visitation divine afin qu'elle soit libre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, fais voir ta gloire dans la vie d'une personne qui a été condamnée par la maladie, par l'ennemi. Au nom de Jésus, oh Jésus, oh, fais voir ta gloire dans la vie d'une personne qui, Seigneur, a des relations difficiles avec ses enfants. Fais voir ta gloire dans la vie d'une personne qui tombe tout le temps dans le péché, qui veut s'en sortir mais qui a du mal. Oh, fais voir ta gloire. Fais voir ta gloire. Délivre et libère. Libère, Seigneur, les opprimés. Libère, Seigneur, les oppressés. Libère, Seigneur, ceux qui sont malades. Dans le nom de Jésus. Alors que je suis en train de prier, alors que je suis en train de déclarer, Seigneur, que ton ange commence à visiter chaque personne qui est connectée sur Internet et au téléphone. Dans le nom de Jésus. Fais voir ta gloire, Seigneur, dans la vie d'une personne qui a été condamnée par la vie, condamnée par la médecine, condamnée par les amis, condamnée par la famille, rejetée. Fais voir ta gloire dans la vie d'une personne qui veut un mariage heureux, mais son mariage n'est que malheur, n'est que problème, n'est que difficulté. Fais voir ta gloire dans la vie d'une personne qui a des enfants qui l'ont rejeté. Oh Seigneur, je t'en supplie, réunis une famille qui a été disloquée. Réunis, ramène les enfants à leur maman, ramène les enfants à leur père, dans le nom de Jésus. Oh, fais voir ta gloire dans la vie d'une personne qui est touchée, touchée, Seigneur, par la maladie, par les problèmes de la vie, dans le nom de Jésus. Oh, fais voir ta gloire. Fais voir ta gloire, Seigneur. Fais voir ta gloire. Alléluia. Oh, fais voir ta gloire, fais voir ta gloire. Yahweh, fais voir ta gloire, fais voir ta gloire. Baba, oh, 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 fais voir ta gloire. Bien-aimé, dis-lui, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ma vie être embellie. Je veux voir, Seigneur, l'histoire de ma vie être réécrite. Je veux voir, Seigneur, que je veux rentrer, Seigneur, dans ma destinée, dans ce que tu as écrit pour moi d'avance, depuis la fondation du monde. Je veux voir ta gloire. Oh Père, manifeste ta gloire dans la vie d'une personne qui est belle de figure, mais qui, à qui n'attire personne. Oh Seigneur, qui est seul, qui pleure dans sa chambre. Oh Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Manifeste-toi. Fais voir ta gloire, Yahweh. Fais voir ta gloire dans la vie d'une personne qui est rejetée par la société, rejetée par la famille, oppressée dans la nuit, dans le nom de Jésus. Fais voir ta gloire. Fais voir ta gloire. Alléluia. Mais nous voulons prier encore. Nous voulons prier. Tu vas demander au Père. Alléluia. Tu vas demander au Père. Tu vas demander au Seigneur. Alléluia. Tu vas demander au Seigneur. Tu vas dire, Père, balaie. Qu'il puisse balayer. Balaie tout pouvoir d'opposition.
tout pouvoir d'opposition dans ma vie au nom de Jésus. Il y a des vies qui ont des oppositions. À chaque fois que tu fais quelque chose, tu sens une opposition. Tu vas dire au Père ce soir, Père, balaie tout pouvoir d'opposition dans ma vie dans le nom de Jésus. Balaie tout pouvoir d'opposition dans la vie de mes enfants au nom de Jésus. Balaie tout pouvoir d'opposition dans ma famille dans le nom de Jésus. Balaie tout pouvoir d'opposition au nom puissant de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Il y a des vies qui sont en train d'être changées. Il y a ta vie qui est en train de recevoir une nouvelle grâce dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Balaie tout pouvoir d'opposition dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. 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 Père, balaie tout pouvoir d'opposition dans la vie, Seigneur, de tes enfants. Dans ma vie, Seigneur. Que tout pouvoir qui vient pour s'opposer à ma destinée soit balayé par ta puissance. Dans le nom de Jésus. Oreko. Mareko saye terebo shaya darabasaya. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Balaie tout pouvoir d'opposition. Oh, qui est dans ma vie, dans ma maison, dans mon couple, dans mon mariage, dans ma santé. Au nom de Jésus. Que tout pouvoir d'opposition, alléluia, qui se dresse contre toi, soit balayé par le Père ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, balaie tout pouvoir d'opposition qui s'oppose à ma vie, qui s'oppose à ma destinée, qui s'oppose à mon avancement. Dans le nom de Jésus. Balaie tout pouvoir d'opposition qui se dresse contre moi, contre ma santé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, balaie tout pouvoir d'opposition qui se dresse contre la destinée de mes enfants. Dans le nom de Jésus. Balaie tout pouvoir d'opposition. Tout pouvoir de Pharaon qui veut me garder dans l'esclavage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Balaie tout pouvoir d'opposition qui se dresse contre ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Balaie tout pouvoir d'opposition qui se dresse contre ma santé dans le nom de Jésus. Père, balaie tout pouvoir d'opposition qui se dresse contre ma famille dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, balaie tout pouvoir d'opposition qui se dresse contre ma maison dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Dis-lui amen, amen. Dis-lui Seigneur, s'il te plaît Seigneur, ouvre les écluses des cieux sur ma vie. Alléluia. Fais pleuvoir sur ma vie Seigneur. Ouvre les écluses des cieux. Fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Fais pleuvoir.
Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous sommes arrivés à la fin. Amen, amen. Je vais prier pour la fin et libérer ceux qui sont au téléphone et ensuite libérer ceux qui sont sur Facebook. Alléluia. Alléluia. Tendre Père, merci Seigneur, merci parce que tu as ouvert le ciel sur nos vies encore ce soir. Merci Seigneur car tu vas visiter tes enfants pendant la nuit. Merci Seigneur car tu as déversé une grosse portion, une grande portion dans la vie de chaque personne qui est connectée maintenant. Père, je te bénis. Alors que nous allons nous séparer, Seigneur, ce n'est pas la fin de ta présence. Père, je sais que tu vas encore continuer à travailler, à agir dans la vie de tes enfants. Seigneur, protège-nous alors que nous allons dormir. Que tes anges, Seigneur, puissent protéger, garder tes enfants. Sois une muraille de feu autour de chaque personne, autour de chaque maison. Ramène-nous, Seigneur, demain matin à 4h du matin dans ta présence. Que nous puissions être là avec zèle, avec dévotion, avec joie. Que nous puissions venir dans ta présence, Seigneur, avec un esprit de gratitude. Père, merci. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour toute personne qui s'est connectée. Et merci pour celles et ceux qui vont se connecter, Seigneur, en replay. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Soyez bénis au téléphone. Soyez bénis. Donc, à demain, 4h du matin. Amen. Soyez bénis. Voilà. À tout de suite sur Facebook si vous voulez revenir sur Facebook. OK. Shalom, shalom, bien-aimés. Si vous avez été bénis, écrivez juste béni, 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 béni. Donnez-moi des cœurs, vous n'en avez pas donné assez. Et aimez la vidéo. Amen. Aimez la vidéo. Partagez la vidéo à une personne. Partagez la vidéo à une personne. Christine Dapiedad, sois bénie. Marie-Hélène, sois bénie. Karel, sois bénie. Voilà, Karel, j'aime bien te voir. Il faut toujours être là. Amen. Frischka, sois bénie. Qui j'ai encore là? J'ai... Temarama, Morénique, sois bénie. Teddy, Linda, Diane, Sandrine. Oh, Sandrine, Georgette, sois bénie. Waouh! Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Linda, sois bénie. Parce que nous sommes sur deux pages en même temps. Nous sommes en même temps sur Frida Bass, femme de foi. Et nous sommes en même temps sur Tour de prière semeur. Et là, devant moi, je n'ai que ceux qui sont sur Frida Bass, femme de foi. Je n'ai pas en vue ceux qui sont sur Tour de prière semeur. En tout cas, je salue toute la famille TPS qui est sur la Tour de prière semeur, sur la page Tour de prière semeur. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue Josiane, je donne un shalom à Josiane, un shalom à Chloé, un shalom à Brigitte, un shalom à toute personne qui est connectée sur la tour de prière, sur la page tour de prière semeur. Je pense que là, je suis sur la Frida Bass, voilà. Teddy Bora, sois béni. Brigitte, sois béni. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne donc rendez-vous demain matin à 4h du matin. Alléluia. Oui, à 4h du matin, nous serons sur YouTube pour notre prière du matin. Dévancer l'aurore. Voilà. Rubina, sois bénie. En tout cas, partagez. Dikinza, sois bénie. Le page Choco. Oh là, Vandriesh, sois bénie. Mélicor, sois bénie. Merci. Christine a écrit, je vous aime de l'amour du Christ prophétesse. Merci beaucoup, moi aussi, je t'aime. Voilà, nous t'aimons aussi. Sois bénie. Fanny, Adam Fak, Getse. Ngete, sois béni. Soyez béni. Donc, je vous dis donc à demain, 4h du matin. Et n'oubliez pas, mes amis, l'opération Maison de prière, ça continue. Vous voyez, les conditions devront être chez nous. Donc, Maison de prière, l'opération Maison de prière continue. Envoyez vos offrandes, envoyez vos dons. Je mettrai le lien à la fin de la vidéo, je mettrai le lien PayPal. Vous pouvez envoyer vos dons pour notre Maison de prière. Pour avril 2020, nous devons être dans notre Maison de prière. Et je vous assure, ça sera glorieux. Donc vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ciao, 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 ciao. Vous avez les salutations du pasteur. Voilà. Donnez les likes et les cœurs. Pas la tête rouge, orange, pardon. Parce qu'il y en a qui me donnent la tête orange sans faire exprès. Soyez bénis, soyez bénis. Voilà. Ciao, ciao.
Ceci vous est présenté par la Tour de prière Semeur, tous les mardis et jeudis de 22h à 23h. Rejoignez-nous au 09 72 61 93 80, code d'accès 1077. Que Dieu vous bénisse.